Bonjour, Christophe Miguel, je suis enseignant en technique horticole au lycée Les Alpilles de Saint-Rémy. Et nous allons aujourd'hui vous présenter la filière de conduite technique horticole de l'établissement. Et je laisse tout de suite la parole à Jean-Bernard Marginédès. Bonjour, Jean-Bernard Marginédès, enseignant en horticulture et en biologie. Je vous présente ce bac pro qui se présente sur une formation de 3 ans, une seconde de conduite de production et ensuite 2 années de bac pro. Au total, ce sont 16 semaines de stage en entreprise, de production obligatoirement de la floriculture à l'arboriculture. Nous avons un réseau de partenaires de maîtres de stage pour vous orienter et vous guider. Au cours de cette formation diplômante, qui permet d'obtenir aussi une CPA pour l'installation agricole, vous passerez une ACES, un SST et aussi un Certiphyto, qui sont des valorisations pour votre parcours professionnel. Le secteur horticole est un secteur qui recrute et qui permet des carrières longues. Donc au niveau de la production horticole, il faut savoir qu'il y a 4 secteurs différents qui laissent autant d'opportunités pour trouver des emplois à la suite de la formation. Et le lycée prépare les élèves à travailler dans chacun de ces secteurs. Si vous avez des questions sur nos filières, si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous. Vous pouvez réaliser aussi un mini-stage à partir de la 3e. Nous sommes ouverts pour répondre à vos questions, ainsi que pour les portes ouvertes. Et les mini-stages dont vous parlez, mon collègue à l'instant, cela permet à l'élève de venir passer une journée sur la journée technique avec nous et avec nos élèves. Donc il se trouve immergé avec nos élèves de seconde, permet de découvrir un peu mieux l'établissement. Discuter avec nos élèves, voir concrètement qu'est-ce que nous faisons lors de la journée technique sur le lycée. À partir de là, si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone et on vous expliquera toutes les démarches pour venir nous rejoindre. Au revoir.